Allez, coucou famille, comment vous allez? C'est moi, Défaut Star, si c'est la première fois que vous me voyez. Je vais causer un peu rapidement parce que voilà, j'ai une vidéo que j'ai vue et j'avais voulu faire ma petite vidéo pour sensibiliser les gens, sensibiliser tout le monde en partageant. Si certaines personnes voient la vidéo, peut-être ça va peut-être changer le cœur de certaines personnes qui sont dans le mauvais, qui font le mal, ou peut-être ça va alerter des autorités pour aider peut-être des personnes qui sont dans le besoin. C'est une vidéo qui montre la maltraitance d'enfants. Ok, désolé si je suis un peu fatigué, je suis en train de travailler, je suis en salle de gym, donc je suis en pause. Voilà, je suis en pause, je travaille sur le haut de mon corps, je vais travailler sur mes pieds, j'ai des petits pieds. Je sais que j'ai des petits pieds. Donc, je vais aller travailler sur mes pieds de suite. Et avant de partir travailler, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour causer un peu avec vous. Donc, si vous me voyez un peu rough, voilà, ne calculez pas ça. C'est la première fois que vous me voyez. Bonne arrivée, c'est ma chaîne. Mon nom est Défaut Star. Aujourd'hui, je voulais vous montrer cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Merci. Léa, tu t'appelles comment? Grâce. Hello, tu t'appelles comment? Maintenant, toi, tu t'appelles comment? Félicité. Maintenant, tu dis votre tante, elle est où? Elle est bien. Carrefour Tomate. Maintenant, elle dit quoi? Elle a appelé vos parents, elle dit avec quoi? Elle a fait la vie. Par contre, nous sommes des voleuses. Donc, actuellement, là, vous frappez, c'est ça, vous êtes sorti. Mmh. Vous êtes là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Tu as quel âge? Et puis, ça fait 3 ans que tu es là. 7 ans. Donc, elles vous feront petit comme ça. C'est quoi? Vous êtes combien d'enfants dans chez elle là-bas? Elle est partie. Mais pour moi, j'ai envie de manger au foyer. Maintenant, toi, tu dis, c'est quoi que t'as fait? Ok. Voilà, c'est la vidéo qui est là, une vidéo triste. Ça me fait mal, ça me cœur. Mon cœur est meurtri parce que voilà, des enfants qui pleurent, des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Déjà, même moi, j'aime attaquer aux parents des enfants. Moi, j'ai jamais voulu m'attaquer aux personnes qui ont beaucoup d'enfants et tout ça. Parce que je me dis que voilà, chacun prend ses responsabilités. Mais tonton ou grand frère ou petit frère, vous qui me voyez là, quand vous n'avez pas une... Je ne veux pas être méchant. Parce que peut-être vous allez dire que je suis privilégié, je ne suis pas en Afrique. Je ne veux pas être méchant. Et qui suis-je pour vous juger? Parce que moi-même aussi, je n'ai pas un enfant, je n'ai pas deux enfants, je n'ai pas trois enfants, j'ai plus que ça. Mais que Dieu me protège, que mes enfants ne partent pas quelque part un jour pour être dans ce genre de situation. Mais moi, pour vous, ce que moi je peux vous dire, vous êtes en Afrique. Nous savons déjà qu'en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir des enfants. Vous faites un enfant, t'entends? Deuxième enfant, troisième enfant. Au fait, quand vous faites un ou deux là, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Quand vous êtes en train de sortir avec la femme, quand vous sortez avec la femme,
et vous êtes en train de presque en train de jouir là. Vous faites que les gens sont obligés d'être grossiers. Quand vous êtes en train de presque en train de jouir, vous pouvez pas vous retirer. Parce que si c'était autant de habla beaucoup, on va dire que ah, nos grands-papas ou nos papas, ils ne savaient pas au juste comment peut-être contrôler, you know, les grossesses indésirées et tout ça. C'est clair que peut-être